Et yop yop yop, mes loulous, c'est tonton Tommy qu'on est sur Dead Rising 4, on est sur Xbox One. Et ce soir, j'attends mon petit frère pour qu'on puisse se faire une petite partie à deux, je sais pas, sur un mini-golf par exemple, ou un petit multijoueur, il faut voir. Alors, on va faire un petit bout de mode histoire en attendant qu'il arrive. Ah, il y a trois trucs, vendredi noir, bûcher noir, ok. Et puisque j'ai l'extension, j'ai tout en ultime. Prologue, ce vieux cauchemar. Frank se réveille dans la galerie marchande de Willamette Parkview Mile. En mauvaise compagnie, sans déconner. Ah merde, j'ai pas regardé attaque à distance et tout. Bon, de toute façon, ça va être un petit tutoriel, je pense. Oh bordel! Ah, j'ai déjà une batte quand même. Oups, bon, il y en a partout. Ça commence super fort, ok. Enfin, j'attends d'être sur un gros groupe avant d'utiliser. Wow. Excellent. Oh. Qu'est-ce que je me tape comme truc, moi? Et ça me rappelle des bons souvenirs, cette arme-là. J'ai raté mon coup. Dommage. Oh, c'est bien chaud. Oh, ah, c'est sympa, ça va, ça. Mon énergie qui remonte. Et comment je fais pour changer d'arme? Ah, voilà. En tout cas, il est bien souple, c'est super agréable à jouer. Bon, faut que je me barre d'ici, j'ai plus rien comme arme. Oh la vache. Attends, vous êtes mignon, vous? Ah non, 41 mètres, je suis con moi aussi. Trop bien. Ça me rappelle plein de souvenirs, c'est cool. Ah, oh, c'est la grande place. Oh, le bordel, le bordel. Je suis dans la merde. Cassez-vous. Ouais, je peux pas mourir en fait, je pense. Pourquoi le public devrait me voir? Parce que je suis Frank West, pardon. Je suis un putain de héros. Ouais, je sais. Putain, ah oui, ça pète. C'est pas ma meilleure interview. Qu'est-ce qu'il va me donner maintenant? J'en ai pas besoin. J'ai des millions de phases qui savent que je dis la vérité.
Ah si, quand même, je suis mort. Ah, utiliser Y pour se dégager un passage. Ok, intéressant. En tout cas, c'est toujours autant un bon des followers des familles. Je sais, c'est pas ma meilleure interview. Suis ta destinée. Pratique, pratique, pratique. J'en ai pas besoin. J'ai des millions de fans qui savent que je dis la vérité. Ouais, je me suis peut-être trompé de 4 ou 6-0. Et alors ? Vas-y, lance-toi. Oui, la mec était un coup monté. Tu gagnes ou pas ? C'était les fédéraux. C'était une conspiration. Enfer sur terre. C'est pas bientôt fini. J'en ai assez vu comme ça. Oh, les armes de malade. Quel bordel, quel bordel. Bah écoute, tu t'es assez amusé comme ça, hein? Je peux partir maintenant? Oh putain! Ça devait être prévu dans le scénar. Vic-chou. Aspect de son jeune alter ego pour sortir du cauchemar. Ok. Assurer, pour passer en mode photo, ok. Ah bah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça aussi. J'en recevais une médaille du président, mais en allant lui serrer la main, j'ai buté et je lui ai mis un pain. Dans le cou. Dans le cou? J'ai buté! Vous avez frappé le président par surprise dans le cou? Avoue que ça te plaît de me faire passer pour un con, hein? Oh. Tu devrais bosser pour la presse à scandale. Je vous emmerde. Oh, autant pour moi, sujet sensible. Tes parents ont été tués par des paparazzis. Ah. On va où, au fait? Du calme, écoutez-moi. Tu m'avais dit qu'on allait au mini-golf. Non mais franchement, professeur, vous n'aviez quand même pas gobé un truc si gros. J'adore le mini-golf. Ouais, bon, écoutez. Il y a une base militaire secrète. Oh, pitié, pas encore une de ces conspirations d'Internet. C'est du sérieux. Ils mènent des recherches scientifiques illégales. Faites demi-tour. Des expériences sur l'homme. Fais demi-tour maintenant. Franck ! Arrêtez ! Franck ! Où on a parlé après les cours. Est-ce que j'avais l'air de vouloir retourner à Willamette? Tout ira bien. Faut se détendre, là. Ouais, c'est ce qu'on dit avant que les cris retentissent. Oh, c'est vous qui dites toujours que je prends des photos pourries avec mon téléphone. C'est le cas. Alors, qui de mieux qu'un photographe mondialement reconnu pour m'apprendre? C'est mon appareil. Ouais, il traînait dans votre placard. Fermé à clé. Fermé vite fait. Écoutez, ma source parle d'un défilé de sacs mortuaires. Des rumeurs d'essais sur l'homme, un site de missiles abandonné. Franck, vous n'allez quand même pas dire non. C'est non. Franck, c'est notre chance. Je vous en prie. Ok, mais je prends le volant. Quoi? Non, c'est ma voiture. Get out of the way. Get out of the way. Get out of the way, old Dan Tucker. You're too late to come for supper.
quoi ? T'es ici pour apprendre. C'était mon histoire il y a 2 minutes. Allô ? T'es ici pour voir comment un vrai journaliste d'investigation se démerde sur le terrain. Sans rien d'autre que ses notes, son appareil et ses grosses couilles, pigé ? Wow. Dezio, ta source parle d'expérimentation sur l'homme, ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir des choses qui piquent les yeux. Et ? Si ça arrive, tu gardes ton sang-froid. Tu prends des notes, moi je m'occupe des photos, on décroche le scoop et on fout le camp. Ok. Faut révéler l'histoire, pas se faire bouffer par elle. Compris. Perds pas l'objectif de vue, ok ? Ouais. Si ça marche, je te laisse la prochaine. Allez, check. Non. Allez, quoi, vas-y. Non, je peux pas. T'es au-dessus de ça, hein ? Je comprends. Le travail nous attend. Il est complètement barge. Ok, on nous balance dans le vif. Comment entrer ? Oui, il y a une carte de sécurité cachée dans une remise quelque part. Très bien, c'est parti. Quand on clique, on se met à copier. Voilà le refuge. Je vais l'inspecter. Ouvre bien l'œil. Ouais. Comptez sur moi. La carte magnétique. 8 mètres, 7 mètres. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a tout un délire. C'est bizarre. Carte magnétique ici. Je l'ai trouvé. Et maintenant ? Ça ouvre une porte pas loin. On y va. Pas si vite, fantomètre. Je veux pas me faire descendre, ok ? Je fais comment pour courir ? Parce que ça, c'est pour sauter, on est d'accord ? Afficher les didacticiens. J'adore la musique. Ah, c'est R1. Ok. D'accord, il y a un truc d'endurance. Et les cartes, ça va s'en douter. Les armes à distance. MTRT. Interaction, ouais. On appuie sur B. Le parcours. D'accord. Maniez-vous, d'accord ? Oui. Je me mène ma gargue. Hé, hey, planque-toi ! Oh, merde ! J'ai du café à l'intérieur. Viens, ils iront nulle part. Mais qu'est-ce que vous faites ? Fuck ! Oh, mon Dieu. Vous l'avez tué ? Quoi ? Non, non, il dort, c'est tout. Oh. Un gros okay. Doudou. C'est pas un camp d'entraînement des réservistes, c'est sûr. Ces types étaient en tenue de combat. Et c'était quoi ces masques ? Je les ai vus. Écoute, tu peux te calmer un tout petit peu. Quoi qu'il se passe ici, on partira pas sans preuve. T'as ma parole. Ouais. Je savais qu'un Frank West sommeillait en vous. L'affaire. Appareil photo, ça j'avais pas vu. Photographie, voilà, pardon. D'accord. Attendez. Chut, j'ai entendu un truc. Il
J'allais prendre une photo. Prenez des photos. Ah, merde. Non, tu crois? C'est pas la première fois que je fais ça, tu sais. Bon. Putain, mais qu'est-ce qu'on prend encore ici? Je fais comment le zoom? Ah. C'est pas vrai. Franck, chut. Bordel, qu'est-ce qui se passe ici? Allons le découvrir. Vraiment, je me remets dedans. Ça va revenir vite. J'ai fait les deux premiers. Un doute sur le 3, mais si, je suis bête sur le 3, bien sûr que j'ai fait le 3. Je suis éclaté comme les caméras sont coupées. Mon contact a dû les désactiver. En tout cas, graphiquement parlant, ouais, là, on est passé un cran bien au-dessus. Hop, zombie. Dit qu'il reste encore du travail. Essayez cette porte. Je vais voir ce que je peux faire d'ici. C'est bon, je l'ai fini. Je suis pas sûr d'aimer ce que j'entends là. J'ai trouvé un panneau de contrôle. Le seul moyen de sortir est d'ouvrir toutes les cellules. Non. Quelle grosse surprise! On va les ouvrir une par une. Vous êtes prêts? Ouais, je suis prêt. Si on veut. Libération de la population 7A. Merde. Putain, c'est bien nerveux. Voilà, allez. C'est bon pour la première. Hé, hey, tu pourrais prévenir. Maculé de sang. Ça va trop plaire au petit frère, c'est obligé. Porte suivante. Ah, c'est là, ok. Ah, putain, j'assure toujours autant. J'ai des blécs. Je crois que j'ai quelque chose pour vous. Jetez un œil là-dedans. Café. Échanger contre une bouteille d'eau. Mètres. Ah, c'est quoi ça? J'ai pas vu. Matraque électrique. Alors maintenant pour les armes à distance, et les armes au corps à corps et pour les armes de jet. D'accord. Ah bah ça y est, le petit frère, il est prêt. Je fais une mini pause et on va se reprendre de suite sûrement pour jouer à plusieurs. Allez, tchuss. Et yop, je fais pas ça souvent, mais là du coup, vu le temps qu'on a mis avant de s'y mettre avec le petit frère, ça y est, on y est, on est sur Dead Rising 4. Coucou petit frère. Ça va bien? Tu m'entends? Ouais, ça va bien. Ah, tu m'as fait peur. Je lance la partie rapide. Recherche de partie. Alors, apparemment, faut aussi chercher des survivants. Putain, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Parce que j'ai mis que pour nous deux, normalement.
Putain, rapproche ta caméra de ta gueule, je t'entends pas. Et t'as pas de micro, toi. Aucune partie trouvée. Bon, tu m'entends bien ? Aucune partie trouvée. Oh non, ça va faire chier, ça. Attends, on va revenir en arrière. Commencer une partie avec les joueurs présents. Ah bah voilà, non, c'est mieux. J'ai fait partie rapide. Allez, on fait commencer. Début de la partie, c'est bon, on y est. Parle un peu pour voir que je t'entende, là. La 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 la. Voilà, qu'on synchronise bien, parce que... T'entends bien ? Oh, ouais. C'est correct, on va dire, c'est correct. C'est pas... J'entends beaucoup plus ma voix que la tienne. Invocation de l'apocalypse. Donc tu vas voir, graphiquement, on est passé un petit cran supérieur. Hein. Bienvenue dans l'enfer de Noël. Jingle bell, jingle bell, bunny, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Olé ! Ah. Moi j'ai l'écran de présente moi. Location de l'apocalypse. En attente d'autres joueurs. Alors, attends, j'attends. Parce que là je suis tout seul du coup. Ah. Nettoyer. Des zombies envahissent la galerie marchande. Non, pas la galerie marchande de Noël, ça se fait pas. Va falloir qu'on fasse un petit ménage. J'espère que c'est normal que ce soit feu comme ça. Ça fait bizarre. Ouais. Pour une nouvelle journée. Alors toi t'as un fusil, moi j'ai la masse. Vous voyez un fusil, il est pour moi. Donc j'ai vu pour le fusil. Ah ouais, ouais, attention, 50 secondes, c'est quoi ce bordel? Pourquoi? Pourquoi? Ils nous foutent la panique là. Qu'est-ce que c'est? Ah c'est peut-être parce que ça veut dire on s'équipe avant que ça commence. À tous les coups, c'est ça. Petite planche, il n'y a que des merdes là. Oui. Ouais. Alors je lui ai dit. Ukulélé. C'est un double dactyle. Attends, c'est une machette ça. Ça doit venir naturellement. Mais à mon avis, elle s'en foutait royalement. Bonne idée. L'union fait la force. J'ai une machette, cool. Nickel. Ah, il y a un gars qui s'appelle Crimson qui nous a rejoint. Bon, bah, s'il veut. Plus on est de fous, moyen de zombie. Bon, donc à mon avis, ça va souffrir. Ça va s'ouvrir. Ça va souffrir. Je vais pas prendre une planche, bordel. Y a rien d'autre. Il est l'heure de partir. Allez. Tous les jours, c'est un marteau aussi. Bon, non, bah écoute, je vais voir un peu ce qu'il y a. Première infusion de sang. T'es où? Il va falloir éliminer. Et déjà lancé le petit père. Vous n'y arriverez jamais. Je sais pas s'il y a des dommages collatéraux. Hop, 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 ça commence mal. Alors. Player. Attends, je crois que j'ai eu un truc sympa. Merde. Ah, je suis bloqué. Tondeuse à gazon. Pardon, laissez passer. T'es où toi? J'ai trouvé un truc sympa. Viens, viens, viens. Recule. Marche arrière. Et c'est reparti. C'est pas hyper maniable, mais c'est bien fun. Crac, crac, crac. Attends, où est-ce qu'il y a un gros tas là? Ah, je commence bien. Il y a un peu de mauvaises herbes là. Je suis en train de faire le ménage. Coucou petit frère. Ah, je peux te toucher. Merde, désolé.
Je ne savais point. J'ai trouvé un truc bien cool, toi. C'est clair. J'ai vu la tondeuse, je me suis dit, oh, ça me rappelle mes souvenirs. Et c'est hyper efficace. Et ça marche aussi bien en marche arrière qu'en marche avant. Qu'est-ce que t'as trouvé, toi? Sérieux, coup. C'est quoi ça? Récupérez votre récompense. Cool. Attends. Qu'est-ce que c'est ma récompense? C'est dans quel... dans notre sens? On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Hop là! Il vous faut un point de chute pour la nuit! Oh de Dieu, oui! Katana! Hache d'incendie! Cible en vue! Oh, bien joué! Il faudrait éliminer des zombies, faire un peu de place. Je vais pas mentir, des zombies dehors à battre cette ruche. Une hache d'incendie, oh là là. Mais, oh putain, mais t'es équipé comment toi? Qu'est-ce qui s'est passé, petit père, depuis tout à l'heure? Ah non, c'est Monsieur Crimson. C'est idiot. Malgré ma plastique parfaite, je suis un homme comme les autres. Ah, il a pris son arme, son exosquelette. Ah ouais, grave. Ça donne envie, hein. Ça donne envie. De la viande, non, ça ira. Crochet à viande, attendrisseur. De toute façon, on pourra construire des trucs, je pense. Viande, c'est un cristal. Ah, mais c'est quoi ça? Il vient d'exploser. Ah oui, d'accord. C'est ton truc, en plus. Non. Oula, oula, ça se tape un trip. Pour les armes, voilà. Je vais me prendre le katana. Ok. Désolé de vous le dire, les mecs, mais pour l'instant, je suis devant. Aimablement, il s'interrompit. La voiture ne contenait que nous deux et les zombies. Par contre, il y a un zombie là qui m'a fait un truc zarbi. Ah oui, flottant les airs, lui. Ok. J'hallucine. Alors, pour se taper un sprint aussi, je voulais dire, c'est R1. Ça peut servir. Et pour piétiner, tu restes appuyé sur triangle, sur Y, pardon. Piétiner ou écraser. Hein. Zut, mon katana est presque mort. Hey, j'ai trouvé une nouvelle accroche. Wow, l'âge d'incendie, tiens. Tu es mon apocalypse. Avec toi, tout mon monde. T'es où, petit père? Trop gnangnang. T'es monté? Ou t'es resté en bas? Non, c'est une question. T'es allé en haut ou t'es allé en bas? Pas le temps pour faire une beauté, mais bon boulot. Bah non, je suis en bas, je roule sur plein de zombies. C'est là! Ah, t'as trouvé un truc sympa, un petit véhicule. Attends, je vais peut-être fouiller les magasins quand même. Oula, 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 oula. Épée et bouclier. Ah ouais. Cool. Attends, du coup, je vais quand même récupérer ma hache. Je vais dégager ça. Ah, non, c'était pas la masse que je voulais. Nettoyage, hein. Non, c'est pas grave. Hop. Clic. Putain, ça tombe d'en haut, j'hallucine. Les mecs, ils me tombent dessus. Je fais un petit combat de boxe contre un zombie, c'est rigolo. Oh l'enfoiré! Ok, 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 on va se calmer. Merde, c'est l'autre. Je suis dans la merde. Hémorragie. Ah
mal en point là. C'est pas un peu mort. Il faut que tu viennes me chercher, petit père, en fait, je suis en attente de réanimation. Ouais, non, sans déconner, j'y crois pas. Ah, moins que Crimson. Ah, Crimson, allez, il me sauve. Reste avec moi. C'est un mec bien. Ok, ah, c'est reparti. Oh putain, il s'est passé quoi? Une grosse explosion là. Oh là là, je suis de nouveau dans la mouise. Faudrait que je trouve un endroit où on peut bouffer. Donc ça, non. Comics Caps, non. On s'en tape aussi. Qu'est-ce que vous dites de... Tu es un ange? Juste ça. Tu es un ange. Sans rien après. Oh, je suis trop joué à ce qu'il y ait cette voix-là, en fait. Là, je viens de regarder Flash. C'est la voix d'un des acteurs dans Flash. Hein? Ouais. Le professeur, là, je sais plus comment il s'appelle. Distributeur. Snack, cool. Je peux les bouffer comment déjà les snacks, je sais plus. Ah, zombie. Consommable, je sais pas moi. C'est à gauche. C'est en bas. Ah ouais, c'est en bas. Ok. C'est le petit pad vers le bas pour soigner au fait. Je sais pas si tu l'as déjà fait. Ta-ta-ta. Merde, raté. Distributeur. Clic. Et un autre snack. Non. Désolé. Voilà, je suis presque à fond. C'est cool. C'est reparti, comme en 40. J'ai un canon à jouer. Ça fait pas Superman, mais c'est rigolo. Oh putain. J'aurais bien aimé être là pour pouvoir aller. Cramer un petit peu tout ce monde-là. Ils étaient fascinés par je sais pas quoi, les gars. Dégage, merde. Hey, dégage, merde. Attends. Arrête, c'est moi. Ouais, c'est de ma faute. Ah, tu peux faire des photos aussi en cliquant sur le jeu. Ouais. Ça, j'avais vu. Putain, ça a encore pété dans le coin. Ok, allez, on est à 11. Ouais, père. Ouais, pétain. Ah, raté. Bienvenue à la maison. C'est bon. Ok, ok, ok. Oh, je peux faire un Y et B. Allez, attends. Blaaaar. C'est trop bien. Ah, plus que 27 secondes, c'est ça? Rendez-vous jusqu'au refuge. J'avais pas vu. Merde. Tu fonces au refuge là? Ah, il y a de l'endurance. J'avais zappé ça. Il est loin ce truc? Ouais, je suis à 50 mètres moi. À 2 minutes encore. Hein. Ouais, c'est ça.
Oh putain. Quand tu les enchaînes. Wow. Masque de Blanca. J'y crois pas, je vais y coller sur la gueule. Regarde. Hey, c'est fini, oui. Ne te mets pas devant moi. Coup de genou. C'est fini ? Merde. J'y crois pas, j'ai appuyé sur une touche comme un con. Ok. Gourdin en plastique, quoi, ça va peut-être pas beaucoup servir, épée en bois. Arbalète pour enfants. Magasin de jouets, quoi. Ça va être compliqué. On l'a échappé belle, hein. Eh ben cool. On a survécu au jour 1. Eh, franchement, on se colle, hein. On se colle grave. Ah bah oui, hein, que veux-tu? Ah, il t'a réanimé, donc ça donne des points aussi. C'est ça. Point d'équipe et tout, et tout, et tout. Waouh. Donc là, quand je réapparais tout seul. Le temps de lire. Apparemment, faut prendre des photos aussi pour gagner des points. Des grosses scènes bien choquantes avec plein de zombies. Vous voulez passer la journée? Obéissez à mes ordres. Vous êtes prêts? C'est toujours autant la merde. Je peux pas avancer avec le vélo d'enfant. Si, si, si. Je vais me taper un délire en tricycle, regarde. Ouais. Tu veux faire tes points de talent, hein. Je suis chaud. Et t'as des points de talent à débloquer. Des points de talent, ouais, je sais, ouais. Ouais, le fond de gauche, quoi. Il y a des bouquins? Non, tu sais, t'appuies... deux petits carrés, là. D'accord. Tes talents, Ah ouais, bien. Ça, ok, ok. Talent, ouais, d'accord. Bon, ouais. Pour l'instant, j'ai qu'un point de talent, je le débloquerai plus tard. J'aime bien débloquer quand j'en ai plusieurs. Fusée. Allez, de feu d'artifice. Et j'ai que. Il y a que de la merde dans ce magasin, c'est ça qui est chaud. Il faudrait que je voie ça par moi-même. On va tenter ça. J'ai un marteau pour enfant, attention. Ah, une étoile de sapin. Ça peut piquer, une étoile de sapin. Et on va se prendre le canon à jouer, c'était rigolo. Ça fait pas Superman, mais c'est rigolo. Bon, je prends le vélo, moi. Allez. Ça fait un vieux bruit de couinement, quoi. En tout cas, ça marche, hein. Ça marche. Attention, j'ai un tricycle. Faites pas chier. Ah ouais, mais le mec, il connaît tout de suite.
D'accord, je suis arrivé dans un coin, c'est beaucoup plus cool. Déjà dans la merde. Nous y voilà. Je suis déjà mort, merde. Au secours, petit frère. Tu m'aides? Si tu meurs. Merci. Putain, c'est une hache légendaire, je gèle les mecs quoi. Oh, le truc de ouf. Oh bah oui, tiens. Oh, c'est énorme. Il bouge pas lui. Ok. Une hallebarde, ça c'est cool. Attends. Voilà, une hache de guerre, c'est quand même bien mieux. J'avais quoi d'autre? Ah oui, les étoiles de Noël, on va essayer d'éviter quand même. Un café. Voilà. Nickel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oh bah oui, mais oui, un tomahawk. Ah, c'est une arme de lancer, d'accord. Oui, donc. Et la masse d'armes. Voilà. Prendre des photos des autres joueurs en fait sur les attractions. Ah ouais. C'est trop cool. Voilà, allez, c'est bon, je suis paré, c'est bon, c'est parti. On rigole plus. Ah ouais, bah tiens. Sinon, viens me rejoindre. Alors, t'es où, toi? T'es là. D'accord, attends. Rends E. C'est la même chose de ton côté. T'as une épée de fou, petit père. C'est pas vrai. Bon allez, il est temps que je me rattrape un peu. Lâche-moi! Dégage, merde! Sympa les petits mots qu'on se balance quand même. Dégage! Oh ouais! La classe! Putain. Ça serait bien que je me rééquipe. Qu'avons-nous là? Un bras de mannequin. Ah ouais, non, on est dans le magasin de mannequins, pas top. Qu'est-ce qu'on a dans quoi? Coconut Kids, non merci. Je veux quelque chose d'un peu plus sérieux. Un magasin de sport. On peut le faire. Tout dépend ce qu'ils vendent. Un ski. Ou un bâton de ski. Ah, un piolet. Miox. Alors je lui ai dit. Ah non, je fais des trucs c'est sympas. Un double dactyle. Ah. Y a rien à faire. Ça doit venir. Oh bah toi, te connaissant, oui, avis, tu vas vite te faire au truc, hein. Je me fais pas d'illusions. Oh, c'est bien rapide ça. Oh.
Ok, on se casse. Bon, magasin de sport, c'est vu. Il y a quoi là-dedans? Où est son gazeuse? Claque. Une scie à béton. Oh! Ah bah voilà, là on va parler. J'ai donc une scie à béton. Histoire de bétonner. Putain, vous êtes passés par où les mecs? Ah ça y est. Et là. C'est cool. Alors. On peut faire des trucs, des objectifs aussi pour qu'on ait les points là. C'est vrai, c'est pas faux. Les objectifs, alors c'est par là que ça se passe. J'ai pas le temps qu'il y ait... T'as qu'à. Alors. Je peux pas sauter par dessus ça? Non, je suis Kiblo. Oh, c'était bizarre. Voilà, c'est mieux. Ah, ça y est, je suis sur une attraction, tu veux me prendre en photo? Exactement ce que je cherchais. Vas-y. Je connais en art, et on en est loin. C'est parti. C'est bon, t'as le dossier. J'hallucine. C'est trop bien. Ok, pardon, je te laisse passer. C'est fini, oui. C'est de ma faute. Pardon, l'autre, elle est où? 58, 39 mètres. J'y suis à l'attraction. Je grimpe dessus. Pendant que tu t'amuses. C'est une scène complètement délirante quoi. Le mec qui est en train de te taper du zombie et l'autre il fait un tour de manège. Tu t'éclates? Je t'ai toujours pas pris en photo. Mais pas, attends, on fait un peu de ménage. Tu vas arrêter, oui? Teste-moi. C'est bon, on l'a fait? Non, toujours pas. Ok, je monte dedans, allez, vas-y, c'est reparti. Vas-y, je prends la photo, mais je te suis. Ouais, c'est bon. C'est bon. Voilà, oui, t'as... Bon, par contre, j'ai plus trop d'armes, à part un truc de lancer. Oh! Ça y est, j'ai exosquelette, mes pères. Trop bien. Je fais trop mal. C'est incroyable. Oh là là. C'est fini, ouais. On va au dernier truc là. Ah non, on n'a pas eu... Oh, c'était le dernier. On a été trop lent. Oh, merde. Dégoûté.
Juste au moment où j'allais monter dedans. J'avais pas vu le temps, désolé. J'ai tapé Crimson. What not did you? Il y a un gros tas. Ah, c'est de ma côté ici, j'ai traîné. Allez, bam! Enfin, je vais faire quoi avec Y? Oh là, attention! Oh, c'est génial! Voilà, faut pas que je déconne. J'en ai plus et j'ai plus d'énergie. Allez, on se casse. Merde! Ah, c'est parce que. Oh, mais qu'est-ce que tu fous? Merde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, t'as trouvé la mort! Ah là là! Ah, j'ai merdé, j'ai. Désolé. Putain, moi aussi, je suis dans la merde. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je suis mort. Il me recrute là en plus. Tu veux me chercher ou pas? Ah non, il y a Crimson qui m'a sauvé. Oh, il est génial ce mec. Je sais pas qui c'est qui appuie là, mais... Y'a quelqu'un. C'est toi qui t'es mis sur pause ou quoi? Ah non, mais c'est ma manette qui merde, j'hallucine. Oh, j'ai dégoûté. Et je suis de nouveau mort parce que ma manette a merdé, j'hallucine. Oh, elle s'est éteinte comme une conne. Je vais mourir. Adieu les gens. Juste au moment où je commence à m'éclater avec le fusil à pompe, je suis dégoûté. Ah mais attends, moi je suis à 1000 là du coup. Bon bah voilà, je suis mort. Moins 5000, boum. Oh putain, c'est sans pitié. Moins 5000, ça fait mal au cul. Ouais, quand même un peu hein. T'es d'accord? Oula, réapparition instantanée. Et je vois plus rien. Sur A pour apparaître. Ouais, on va faire ça. On a un peu couché là-dessus. Oh là là, et moins. On peut faire des scores négatifs, c'est horrible. Ouais, bah je me suis juste un peu lâché, puis en même temps je suis un peu fatigué quoi. Je suis un peu naze. Il est en train de racheter tout le récompense. Ouais, bah un peu normal. Le mec, à mon avis, il est déjà dosé un peu. Mais moi, vu l'heure, t'y perds. Enfin, moi, je pense que je vais m'arrêter là. Je suis désolé, mais... je tiens plus debout. Puis en plus, demain matin, faut que je me lève tôt. Faut que je range ma bagnole. Ils vont nettoyer le garage. Ça me fait chier. Je suis obligé de me lever super tôt. Du coup, tu continues avec le gars ? On se la refait. Hein ? Ah, je dis, t'as rien entendu de ce que j'ai écouté en fait. On n'a rien à péter. Je disais que j'allais arrêter. Je suis désolé. Il a arrêté ? Bah ouais, il est presque minuit, petit père. Je suis désolé, mais là, pouf. J'ai ma journée, je me suis levé quand même à 5h du matin à cause de mon frigo à la con. Qui fait un bruit du tonnerre, il va falloir vraiment que je réchange. Donc la journée de 10h en plus avec les loulous au boulot, plus la piscine, plus la chaleur, ça fait un peu beaucoup. Là je pique du nez mais laisse tomber. Même si je trouve le jeu carrément bien fun, c'est clair, on retrouve nos sensations hein. Qu'est-ce que t'en penses? Tu retrouves tes sensations ou pas? Est-ce que moi parler français ou toi pas m'entendre? Faut que je fasse des réglages aussi, moi.
T'as coupé la vidéo ou pas? Ah non, j'ai même pas coupé. Ah, je t'ai demandé si tu... la vidéo. Je t'ai demandé si tu retrouvais tes sensations, toi. Des premiers Dead Rising. Putain, mais réponds-moi! Bah quoi, bah attends, tu m'entends ou pas? Bah moi je t'entends. Bah là tu me réponds pas. Là tu me réponds, voilà, je suis d'accord. Mais je t'ai posé une question, tu me réponds pas à la question. Je t'ai demandé si tu retrouvais tes petites sensations. T'es sérieux? J'ai retrouvé mes petites sensations, ouais, c'est clair. Ah, tu m'entends mal, moi? Ah ouais, je crois vraiment que tu m'entends mal. Ouais. Comment ça se fait que tu m'entends mal? Toi, faut que tu t'achètes un casque. Attends, t'as je sais pas combien de bordel chez toi, tu sais, de jeux, de machins, de consoles, d'accessoires divers, et t'as même pas un casque pour parler avec WAM. Bah, tu m'avais dit qu'avec le Kinect, ça marchait, donc je ne me suis pas pris la tête, quoi. Bah ouais, non, c'est sûr, mais si tu m'entends mal, je sais pas, il y a peut-être ça qui pose un souci, non? Il y a des fois, ça repart au loin et je t'en... Si c'est ma putain de connexion encore qui fait des hauts et des bas, moi ça me gonfle. Enfin bon. Bon bah les petits pères, en tout cas si tu m'as bien entendu, ouais je vais m'arrêter là. Bah t'as qu'à continuer avec Monsieur Crimson. Là j'entends tes premières paroles et après... Bon en tout cas moi je me suis compris. Joue avec Crimson, t'as compris? Entendu. Bah moi je me barre, tu continues à jouer avec Crimson. On va dire que c'est un problème de connexion, tant pis. Ah fais chier. Ah bah déjà il s'est déconnecté. Bah comme ça il est parti se coucher ou alors il va jouer autrement. Bon bah sur ce, je vous laisse les loulous, c'était Tonton Tommy qu'on était sur Dead Rising 4. Allez tchuss.